Regardez les aventures de Franco, s'il vous plaît. Abonnez-vous et partagez au maximum. Ok. Tiquet, maman, vous êtes arrivé au marché aujourd'hui, c'était aussi comme moi. J'ai payé, c'était la dimension aujourd'hui. Tu as pris là. Le sac à combien aussi? 6 500, maman. Maman, moi j'ai pris à 6 000. Ah, moi j'ai mes ignames ici, une plante dont je ne discute le client avec personne. Sans vous mentir, j'ai déjà une commande que j'aurai le bénéfice de 12 000 francs. Après, vous allez dire qu'elle vend avec la sorcellerie. C'est d'abord simple. C'est toujours le même marché que toi et moi, nous faisons ici chaque bien jour. Bien sûr. Pardon, je ne sais pas. Ce n'est pas simple que quoi? Ce n'est pas simple qu'elle fait les machins que tu fermes les yeux des clients au carrefour avec moi. Alors, laisse-moi toi. En passant, maman, tu as souvent combien de bénéfices? Laisse-moi. Tu vends aussi les patates, non? Oui. Toi, tu vends pour toi, tu m'as dit combien tu gagnes? Tu vends aussi la patate, non? Oui. Tu gagnes combien? Est-ce qu'on dit d'abord? Ma chérie, tu demandes même quoi comme ça? C'est comme ça que vous vous faites tremper les mains au carrefour en voulant faire le marché. Toi aussi. J'aime toujours faire comme si tu en trempes les mains. Tu fais souvent comme si tu étais sainte. Je peux te poser une question. Oui. Tu as déjà dit à quelqu'un la dimension du doigt de plantain de ton mari au carrefour? Hein? Maman, toi là, non? Marie-Josée. Ça quoi, il voit maintenant? Je dis que. Maintenant, tu portes le dossier. Elle demande si elle aime ça. Tu es son avocat. Voici la patate, donne-moi ton sac. Eh hey, ma chérie, pourtant tu es très jolie. Fais pour un homme de voisin. Il n'a pas besoin de patates, ça donne les levures. Voici le sac. Non, le sac de 10 litres. Bien, bio. Voici ça, ma beauté. 1500 le sac. Mais moi, il y a 850. Non, mais comment est-ce que j'ai seulement volé? Viens prendre l'état, ça fait tout. L'état de quoi? Même si on prend 10 tas là-bas, ça ne doit pas donner pour 1000 francs. Je parle à la cliente, je parle pas à toi. Ouais, laisse-moi. Ajoute quelque chose. Okay, tu sais, combien alors? Donne-moi 1000 francs, dernier prix. Ça fait un peu de problème. Fais ça alors. Déjà vu, maman n'a pas ses yeux dans le sang. Il n'y a pas de petites patates, il n'y a pas de petites patates, c'est les patates. Maman, 200 euros. Maman, ne t'en fais pas, chacun a son prix du marché. Même si c'est noir, comment tu as les jolies que Dieu n'a pas validées pour toi? Je t'ai dit que ce sont les bonnes choses que je vais prendre. Enfin, tu as 3000 francs, tu fais comme si tu es trop gentil. 5 minutes après, tu vas engueuler les gens ici jusqu'à aller montrer les trucs. Tu n'as pas de 1000 francs. Je n'ai pas les 1000 francs. J'ai vendu, j'ai déchargé même encore la marchandise dans la voiture. C'est quoi ici là? Même si c'est mon ça, ce n'est pas les CFA, madame. C'est le serpent qui vous prend l'argent. Lequel serpent qui prend l'argent? Marché, ça, c'est un pas les CFA. Que quelqu'un de vous tente un peu de me demander la monnaie ici tout à l'heure. Reste tranquille. Votre bouche là, elle va la laver à moins de 30 minutes. Ne m'apprenez rien. Chacun a sa façon de faire. Chacun a sa façon de faire. Voilà le cap. Tu t'en fous souvent pour quoi? Donc, donc, il y a moi les jolies patates ici. C'est qui les jolies? Je viens avec celui-là. Tu as ramassé les gens si vous. Ouais, très joli, non, tonton, mon voilà tonton. Voilà les grosses patates. Oh, bon prix. C'est combien? 5 000. 5 000? Oui. Et la mère. Vous donnez combien? Avec la rentrée scolaire là, vous donnez combien à l'enfant? Je ne veux même pas les ignames. Vous la patate? Oui, c'est la patate que vous pendant cette période, même celui qui n'a jamais accueilli la rentrée scolaire. C'est combien? Les jolies patates. Voici les grosses patates. Non, ça, tu as une très mauvaise qualité. Voici la bonne qualité. Oui, là, les grosses patates là, c'est ça que moi je veux. Vous n'allez même le soir combien? C'est lui qui n'a pas accueilli la rentrée scolaire. 2500. 2500? Toi-même, c'est dur. Baisse-moi même le prix. Moi j'ai 2000. Ouais, donne-moi 2300. Moi-même je prends le soir 2000. Je te donne 2000. Laisse les creuses.
C'est chaud. Ne cesse le taxi. Je dis c'est chaud. D'accord. Prends 2000. Donne-moi l'argent. Fais ça pour moi. Donne-moi l'argent. Grosse patate. Grosse patate, non? Non, je l'ai habillé, maman. Chouba. Chouba. Grosse patate. Grosse patate, je l'ai habillé. Chouba. Je mets dans la malle. Oui, mets derrière. Tu fermes doucement, hein? Comment ça va? J'ai toujours les clients bio. Comment ça? Quand ça tombe une fois, ça tombe gros. Tu as mis? Oui, monsieur. Ok. Voilà ton aïe. Merci. Du courage, hein? Merci. Vous êtes la presse chaque jour? Oui, nous sommes tous les jours. Nous sommes au secteur. La mère, je penserai à toi prochainement. Merci, papa, j'attends. J'attends, oh. Bon. Vous me saluez, ma soeur, à la maison, hein? Ok. Bon, au revoir. Merci beaucoup. Les grosses patates. Chouba! Chouba! Ça va. Sinon, c'est comment? Pourquoi tu gardes dehors? Tu n'as pas. Non, je vais juste ressortir là. J'ai une urgence là. Ah, ok. Bon, il y a un sac derrière là. Ouvre, tu prends. Ok. M'aide. Chérie, ça pèse. S'il te plaît, viens m'aider. Qu'est-ce qui pèse? Un petit seau de patates de 15 litres n'est pas aussi à porter. Toi, tu dis petit seau, ça pèse vraiment. Toi aussi, tu déranges. Attends, viens donc t'aider. Tout le temps, il faut t'aider, il faut t'aider. Merci. Tu déranges. Déranger comment? Toujours, il faut que je t'aide. Ça pèse tellement. Tu ne soulèves pas. Ok. Oh, tu as dit que ça ne pèsait pas, non? Tu as vu ça comment? C'est... Qu'est-ce qui se passe? Moi-même, ça te dépasse qu'un petit saut aussi, comme tu m'as dit. Mais les patates là, ça donne pas l'air. Comprends pourquoi la femme là, comme elle était même costaude là. C'est même... patate, j'espère que c'est comme ouais, ça. Oui, ça, les patates. Ok. Bon, avance, je viens. D'accord. Ok. Maintenant, tu me dis, tu viens m'expliquer.
Tu vas voir le retour de ça tout de suite là. Quel retour? Je dis tout de suite. Quel retour? Comme vous les garde ton calme. Garde voilà ton calme. Le marché. Laisse-moi voilà m'échanger. Laisse-moi voilà m'échanger. Ça. Je vais repartir et tu verras. Préparer ça aux enfants, est-ce que c'est le poison que je vends? Mieux de vous. Je vais pas préparer, je donne. Vous parlez comme ça que moi je ne fais pas le poison. Voilà encore un sac de patates. Depuis le matin, c'est seulement un sac de patates que j'ai vendu. Toi, il ne reste que le dernier saut. Voilà l'igname de 2000 que tu pleures pour ça. Maman, que si tu ne vends pas ça, tu ne vas pas préparer ça aux enfants à la maison. Moi, le temps, si je trouve même un client sur ça, je vends, je bois, mais une bière avec. Et vous au cas où je ne vends pas ça, je ne vais pas préparer et donner aux enfants. Est-ce que c'est le poison que je vends? Moi, je vais faire comment? J'ai encore tout un gros sac. Si les clients pouvaient ramasser tout ça, maintenant je rentre. Et la pluie qui gâte le temps là, peut-être sans la pluie, si c'est que jamais il y a fini le sac-ci. Il faut apprendre à prendre ce que Dieu te donne avec deux mains. Avec deux mains, je dis que... Tu as vendu deux sacs de patates là-bas, tu cries quoi? Est-ce que j'ai de deux sacs? Deux sacs, qui, deux filets qui deviennent quatre filets. Bonnes patates, hein? Oui, j'en bats mon tonton. Ça, c'est la meilleure voici qualité. Le sac. Là, c'est les gens qui ont tout dit. Ici, c'est combien? 1500. Ah, toi, tu as dit. Comme c'est le dernier marché, donnez-moi 800. Ouais, prenez la patate, non, ce sont les grosses patates. La patate, est combien? Ça dit, ça, ici, c'est combien? 2500. Attends. Et encore, ça, encore. Ça, c'est le filet. Oui. Je préfère le filet. Mon tonton. Ce sont les mêmes. C'est ça ici, ce sont les mêmes. C'est la même patate. Oui. Tu es sûr que c'est la même patate? Oui. Parce que ça, c'est la bonne qualité. Montre-moi d'abord l'échantillon. Voilà. Oui, tu as raison. C'était plein, j'ai coupé seulement le sac. Donc, c'est le saucisse. Oui. Bon, tu as dit ça, tout ça, ça donne combien? Ce qui est là-dedans. Quel? Le saucisse. Non, je veux plutôt le sac. Le sac, c'est pour moi. Donnez-moi 10 000. J'ai enlevé seulement un mon ami, qu'est-ce qui se passe même avec vous? Vous savez pas que ça rentre scolaire? Quand tu peux me taxer un demi sans même comme ça à 10 000, que veux-tu que je fasse? J'ai enlevé bon seulement un seau. Je tout prends le sac de patate à 12 000. Coup, je te donne 7 000. Moi, je te propose 7 000. 7 000. Non, pardon, je ne peux pas. Mais vous savez, c'est la rentrée. Moi-même, j'ai les je enfants. Je ne laisser ça comme ça aux enfants, l'internat. C'est le sac de patates. Donnez-moi 9 000. Non, on ne discute non, pas non trop, il pleut. Donnez-moi 7 000. Jusqu'ici, même tous les cahiers, les livres, je n'ai pas encore tout acheté. Ouais. Je t'en prie. Donnez-moi 9 000. Aide ton frère. Aide ton frère. Demande de l'aide que je suis en train de te demander. Maman, c'est de Dieu, ta voisine, pour t'asseoir sur ta chaise. Je n'ai même pas encore fini les achats des cahiers. Mais c'est insensé. Et maintenant, il faut d'abord leur donner de trouver de quoi manger. Ajoute 500. Je t'en prie, donne-moi ça, 7 000. 7 000. Ce sont tes enfants et hein, ton frère. Je te comprends, oui, je vous comprends bien. Nous sommes au marché. Mais je n'ai pas moi cette Michelle arrêté pour ouais, ça va, donnez-moi la pluie. Okay. Moi-même, j'allais déjà te dire, toi, tu ne vois pas la pluie là. Bon, tu as dit que c'est la meilleure qualité. Ça va jusqu'au fond. Oui. La même terre. Oui. Elles sont les grosses patates comme ça. Verse d'abord, on va prendre ça à 500. Pardon, tu ta voisine, tu t'as fait sur sa chaise une fois. Le client de la voisine, j'ai arrêté c'est le client de la voisine, nous sommes au marché. Ça, c'est une patate. N'importe qui t'a fait sur sa chaise. Les enfants sont à l'internat. Monsieur, vous discutez donc, même aussi quoi comme une femme comme de ça comment là. Avec vous, c'est madame comment on ne peut même pas respirer. C'est quoi? J'ai besoin du respect. Vous vendez quel genre de repos? Tu vends tes ignames là-bas? Et la bouche là n'aime pas les ignames.
Je suis avec les patates, je ne suis pas avec les ignames. Ok, payez alors bien. Et votre problème même, c'est lequel? Vous, les femmes du marché, vous voulez toujours vous mêler des choses qui ne vous plaisent pas. Papa, prends le dernier marché, marché. Je disais, quand tu parlais, tu pleurais là tout à l'heure. Voilà un grand client que Dieu te l'a envoyé là tout de suite. Tu vas encore, tu veux quoi? Fais un malheur, ta bouche, tu rentres à ta Dieu. Il peut prendre le dernier saucisson. Donc, ça, non? Ah, vous me laissez seul au carrefour. Maman, tu as dit que tu pouvais préparer ça aux enfants. J'ai le violet au frigo. Mettez tout. Maman, ouais, mettez tout. C'est Dieu qui vous impose. Maman. Mets d'abord dans le sac. Attache. Ah, Dieu nourrit, Dieu nourrit déjà les oiseaux du ciel. À plus forte raison, nous les hommes. Attache bien. Serre bien, il faut bien serrer. Monsieur, je n'ai pas la monnaie. Comment? Je n'ai pas la monnaie de 10 000. Tu as alors combien? J'ai seulement 5 000. Mais demande même à tes voisines, non? Non, moi, je n'ai que les 10 000. La pluie me mouille. Il faut faire, je vais très loin et je suis sous la pluie. Va même à la boutique en face, tu fais la monnaie. D'accord, j'arrive. Une boutique là-bas. Ok, j'arrive. Oui, vas-y. On t'attend. On t'attend. Il faut partir. Vraiment, la pluie, là. Vous supportez ça comme ça? On a le et c'est choix. Comme ça tous les jours. On n'a bon, pas le comme choix. Elle est partie, je profite, je mets un peu dans la voiture là. Hein? Vous n'attendez pas, elle me met bien chargée, monsieur. Elle a la porte. Ah, vous avez raison. La pluie ici. Bon, je m'excuse, hein, mesdames, je vais l'attendre en voiture. La pluie là, mon mouge est à trop. Nous n'avons pas le sel sur nous pour fondre, monsieur. Hé, hey, papa, n'est-ce pas que vous avez les grosses voitures? Ah ben, tu me cherches le même problème, hein. Je rentre moi chez moi, hein. Et tu demandes mon père. Ok, demandez pour moi. C'est quoi? Voici la monnaie. Monsieur est parti avec la patate en pays. Il est malé. Le bandit, non? Il n'aime pas quand on lui voit. Malé, ça qui se pose. Viens, maman. Qu'est-ce que c'est comme ça? Je vais faire comment? Le jour de ma chance, même la chèvre est mort. Je vois. C'est comme si c'est le monsieur que elle a frappé, que tu as frappé le matin là. Tu dis quoi comme ça? Je te dis. Céline a raison. La patate de 15 litres le matin. Quand je lui montrais mes patates, il voulait les grosses patates. Elle a raison. La couleur de la voiture là les grosses patates, il ne voulait pas. Mais la couleur de la voiture là me revient parce qu'il n'a fait changer l'habillement. C'est lui. Et il a mis la casquette. Le matin, il n'avait pas de casquette. Souviens-toi, le matin, il y a un monsieur qui est venu prendre un 15 litres de patates. Le monsieur que tu as chargé son sac en frais le matin, là, non? C'est le match dit. Retour. Je t'ai toujours dit. Comprends comment ça entre sur ton corps. Je remarque la voiture maintenant. Je remarque la voiture. Je t'ai maintenant. Toujours dit. Le matin, je t'ai dit quoi? Ça ne m'a pas raté le tout. Ça ne t'a pas raté, ça va t'apprendre. 90 francs pour le volant, hein? Un seul jour pour le grand-père. Votre souhait, c'est toujours me chasser ici en route. Vous avez quoi? Non, on a produit mon mouvement de volant. Après, maintenant, après, comme ça, je vous laisse le carreau. Fais honnêtement, tu vas bénéficier honnêtement. Oui. C'est parti aujourd'hui. Tu viens saboter le marché des gens chaque jour. C'est une histoire de quoi? Merci, merci encore mes frères et sœurs, merci mes fans d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification les amis pour recevoir les notifications des prochains films. Merci beaucoup, merci pour le soutien. Je vous attends en commentaire, on va discuter un peu. Ok, bye bye.